Les ondes sont des déplacements d'énergie. Mais attention, il existe deux grands types d'ondes en physique. Les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Mais quelle est la différence ? Eh bien, si vous secouez un milieu suffisamment élastique en un endroit donné, la perturbation que vous produisez va se propager de proche en proche. C'est une onde mécanique. Une onde électromagnétique se propage, elle, même dans le vide et est de nature complètement différente. Le Wi-Fi est un très bon exemple. Il n'a pas besoin de matière pour se déplacer et peut même traverser les murs. Mais alors, comment les ondes se propagent-elles ? Une onde électromagnétique nécessite d'accélérer des électrons, de les faire osciller à haute fréquence. Et dans ce cas, la perturbation se propage à la vitesse de la lumière dans le vide. Plusieurs données permettent de caractériser une onde. On compare généralement les ondes à des vagues, à des oscillations. Pour en comprendre les principes essentiels, la longueur d'onde est la distance entre les bosses de deux vagues successives. La fréquence désigne le nombre de vagues par seconde et l'amplitude correspond à la hauteur d'une vague. L'amplitude d'une onde et son énergie sont liées. Plus on s'éloigne de la source de l'onde, plus l'amplitude sera faible et par conséquent son énergie aussi. C'est pour ça que l'on doit bien régler sa radio ou ne pas être trop loin du Wi-Fi, sinon on ne recevra pas de signal. Il existe plusieurs formes d'ondes électromagnétiques, mais quelles sont-elles ? Les différents types sont distingués par la fréquence et par la longueur d'onde. Donc nous avons essentiellement les ondes radio, nous avons les infrarouges qui constituent le rayonnement thermique, la lumière visible à l'être humain, du rouge au violet. Nous avons par exemple aussi les ultraviolets que notre peau n'aime guère. Les ondes électromagnétiques font donc partie de notre quotidien.